La deuxième carte arrive. Bien, finalement, ça sera celle d'Ascent Renault, un nouvel espoir pour les FPX de l'emporter 2-0 et de nous emmener au match fratricide suivant. Ouais, c'est vrai que moi, ce qui me rassure avec FPX, c'est que ils ont pas troll en fait. Ça a l'air de rien, mais dans leur défaite, comment dire, dans l'arbre, Winner, il y avait eu cet aspect un peu, on fait un peu nimp, on joue de manière un peu légère, un peu décontractée, on accumule les petites erreurs qui finit par faire complètement dérailler le BO3. Là, je les ai trouvés vraiment appliqués dès le début du match. Carré, pas trop d'erreurs, bien du teamplay, on suit, call simple, etc. Ils ont été un peu plus en roue libre sur la fin, mais parce qu'il y avait une belle avance et ça s'expliquait sans trop de soucis. Donc je suis content de les voir à ce niveau, de les voir appliqués et concentrés sur l'objectif, c'est-à-dire survivre dans le tournoi. Et évidemment, on vous parlait d'un Sugetsu sur Cypher et c'est bien ce qui va être choisi par ce dernier sur cette map d'Ascent. Composition classique, allais-je dire, peut-être pas Vanilla non plus. On voit que Shao fait le choix de sa fade et que Zipan prendra son caillot. Donc côté FPX, côté FPX, je t'avoue que j'ai plus exactement en mémoire ce qui jouait sur Xbox, est-ce que c'est ça? Alors du coup, ce qui change, c'est la Sage, hein, c'est ça. On a lâché la Sage pour aller chercher le Cypher. Donc Sugetsu qui reste un excellent joueur de Cypher, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Je pense que c'est le deuxième après Nats. Mais c'est ce qui fait que Hardis change aussi. Si on a un Cypher, c'est un peu relou d'avoir un Chamber. Du coup, Hardis lâche le Chamber pour aller chercher une Jett plus explosive. C'est vrai qu'on n'avait pas de dueliste dans la compo des FPX. Et c'est ce qui, notamment, contre Derex, leur avait fait défaut. Parce que dès qu'il s'agissait d'aller de l'avant, de sauter sur un site, Derex, ils avaient Buzz, le fou furieux avec sa Jett. Et FPX n'avait pas d'équivalent. Donc là, on se rapproche un peu plus de ce genre de combo plus classique et donc sans chamber, c'est à noter. C'est vrai que ça avait coûté cher. Ça avait coûté très très cher à FPX, les entrées sur les sites avec seulement un chamber. On les voyait peiner un petit peu et se faire très rapidement freiner à l'aide d'anti-rush, etc. Et du coup, c'est l'angoisse. Du côté des Léviathans, on peut voir que c'était une solo Astra, double contrôleur, fade et KO, pardon, et un chamber. Donc eux sont sans dueliste, l'explosivité, ils ne l'auront pas. Donc curieux de voir leur side d'attaque qui à mes yeux peut être un peu délicat peut-être. On va voir ce qu'il en est. Donc évidemment les dernières confrontations sur Ascent côté FPX, c'était bel et bien face à ces joueurs de DRX, 17-19 on s'en rappelle, avant cela Crew 13-14 et encore avant cela DRX 13-9, mais c'était d'un tout autre temps, c'était Copenhague. Et on les avait retrouvés face à Guild notamment, face à Nerception. C'était assez rapide, assez efficace. C'était tout en maîtrise qui s'imposait sur Ascent. Il y a toute une nouvelle composition, tout un nouveau jeu qui a été implémenté durant ces champions. C'est là on les ressent un petit peu plus distants par rapport à cette maîtrise dont on parlait tantôt sur Ascent. À voir ce qui va en être là maintenant. Après, ils ont des belles références lors des... Comment dire, lors de Copenhague, ils ont battu Derix sur cette map d'Ascent. C'est vrai. Ils ont battu X7. Ils ont battu Fnatic. Et ils ont battu Liquid dans cette Champions. Donc en vrai, ils ont déjà un tableau de chasse sur la map qui est franchement pas dégueu, mais c'est jamais des victoires larges à part contre Derix. Ils ont toujours dû un peu batailler. Donc là, on sait que quand ils perdent la première map, quand ils ont des situations un peu frustrantes, on sait qu'ils peuvent un peu perdre pied. À voir s'ils se sont ressaisis pour survivre sur la map à venir. Allez, vous le voyez, les FPX sur leur ancienne composition, ça part maintenant, on est complètement blind hein, du côté de cette fade, on prend beaucoup d'espace du côté d'Hardis. Dès les premières éliminations, elle est là, ponctionnée à même le market. Hardis est déjà un point de pression dans les défenses des Léviathans. Ouais, alors il est un peu enfermé par contre, et c'est que c'était bloqué un peu dans ce market. Il gagne du temps et c'est Angel qui fait l'ouverture du côté du Garden, histoire d'accélérer maintenant vers le site A qui n'est pas vraiment défendu. On va enfin chercher Hardis, mais ici à prendre un headshot avant même de mourir. Excellent ici l'impact qu'il a avec sa position. Et du coup, reprise à venir 2v4, on casse la fenêtre, on casse aussi la porte. Allez, c'est King, le roi des Léviathans, qui va devoir en faire beaucoup, vous le voyez. Il va négocier en tandem avec Adverso ce premier round. Adverso qui... tout simplement le check sur le back, rien au niveau du catwalk, on va pouvoir briser la porte, révéler des adversaires grâce à la recon. C'est très manifestement au niveau, pardon. Bah oui, ça traverse ici, les joueurs sont en dessous et une mollo suffit à les dézoner, c'est trop fort, ça a abusé avec Adverso. Du coup, qui enchaîne sur le BP, qui le fait aussi, le 2v4 ici avec un fragment monstrueux qui vient déloger les deux joueurs en dessous du site. Ça m'a mis un stop.
J'avais pas forcément compris. Je pensais que je pensais qu'il allait mettre Electrical en fait, et le repositionnement est parfait. Mais je le revois parce que je comprends pas. Il l'a mis de manière classique, genre en plein milieu. On va voir le replay. Est-ce qu'il y a un repère pour que ça touche vraiment bien en dessous comme ça? Non, c'est basique, et ça fait un petit arc de cercle, et les deux sont à l'intérieur. Ok, très bien joué, PJ King, monstrueux, avec une compétence utilisée. Quoi. Il est trop fort, trop trop fort. Voilà, un Kayo clutch, on l'attendait, et pourtant un très très beau round d'FPX qui parachute une nouvelle fois Hardis au niveau de ce market, et qui vient compenser sur la short en prenant un joueur omnubilé par cette information au niveau du middle justement. Bref, un moins 2 que l'on espérait, un moins 3 même que l'on espérait, tout simplement synonyme de victoire pour les FPX. Deuxième round, comment on fait la chose? En travaillant le main A, on est repéré, hein, notamment grâce au couteau de King justement. Confrontation de Fade ici, Shai prend la formation. Ouais, c'est vrai que là ils ont une écho qui ressemble à celle de Liquid, hein, à base de Marshall, de Sheriff. On grid beaucoup, on veut être dangereux, on veut faire peur, on esquive les balles d'ailleurs. Dans ce middle pour Hardis qui essaye de choper le Sova qui saute, le drone est détruit et on prend quand même ce casque, téléportation du coup du Chamber qui a déjà fait la diff. Je crois qu'on n'a pas vu Zipan, donc Zipan pourrait surprendre. Et puis il n'y a pas de trap, le trap il est côté B, donc c'est vrai qu'ils sont bien installés. Ça va pas être naïf sur la coupe là, ils le sont pas vraiment pour le moment, il y a un joueur, voire même deux au spawn et ça sent le split B à plein nez. Et ben... Ouais, par le market. C'est Sugetsu et Hardis qui auront tout le loisir de venir chercher Adverso. Adverso qui ferme la porte évidemment et on va aller le chercher. C'est bien fait, le one tap de Sugetsu qui est exécute. Taco Lila qui prendra la vie d'Angel et de Sugetsu justement. Le triple kill très élégant de Taco. Ouais, trop fort, hein. Trop fort l'anti-écho, le chasseur de tête. Taco Lila quadra kill, il n'a eu qu'à spammer pour faire le doublé là au centre. Bien joué ici, FPX avait su être dangereux, faire reculer la défense middle. Passer market, même faire un open sur un adversaire qui se replace de manière malhabile. Genre, ils avaient fait ce qu'il fallait pour provoquer un accident, mais cet homme, cet agent, j'ai même envie de dire, regardez, ça spam, hein. Il n'y a pas de chasseur de tête là, juste tu touches dans le corps et ça passe. Et il finit la chose à la bulldog en crossfire avec Shai. Bien exécuté, c'est maintenant qu'on va retrouver les FPX dont on a tant besoin. Rang d'armée pour ces derniers. Alors, comment joue-t-il? Jeu de manière assez classique, on a pris l'information avec différentes flèches et autres couteaux. Et on va essayer de prendre le main. Alors ouais, la caméra est mise, elle essaie de faire reculer le joueur. C'est le crawler qui s'en charge avec un couteau. On accélère à partir de là, ils sont tous là, hein, les FPX 5-0 pour essayer de prendre ce BP. Ouais. Petite routine qui va se mettre en place. Évidemment, on parachute Hardis sur le BP. La laisse, c'est pas trop mal. Et Dakolida arrive quand même à remporter une élimination sur Angel. C'est inespéré. On va contester la hauteur. Mais pour l'instant, évidemment, c'est Meltzer qui va réussir à tenir. Il arrachera la tête d'Hardis. C'est évidemment réceptionné par Shao. C'est du 2 contre 2. La Spectre contre les Vandales. Flash directement envoyé. Le couteau pour prendre l'information. Une autre flash même à disposition de King qui saute des réchefs, pardon, au niveau de cette électrical. Peut-être le one-tap. Le one-tap de King. Léviathan est bel et bien dans la course. Troisième point, le bonus file entre les mains des FPX. Ouais, il a offert le pistol et il vient d'offrir le bonus à son équipe avec ce 1v2. Il a un petit doute voilà, sous la hauteur et après il se rend compte, il ajoute, c'est là le switch au shérif pour one tap. C'est quel homme. Spectaculaire ici ce qui est proposé par King. Et en effet, on peut commencer à exulter là du côté du coach. Toujours plus. Bon, ça fait quand même beaucoup de hauts faits pour 3 rounds hein, sur King. Et tout se joue sur ce moins 2 au pistol. Ah, c'est King et Taco Lira qui partagent le taf. C'est vrai, hein, c'est vrai. Vrai. Allez, écho du coup pour FPX, toujours ses shérifs et cette ultimate d'Hardis qui est passé au contact. La Taco Lira qui pourrait se faire avoir, mais il a le temps de faire un open kill avant de se TP. Donc pas d'effet de surprise malgré le move d'Hardis. Ah, c'est bon. Hardis est repéré par le trap. On a évidemment timé sur le drone Faucon qui va repérer sa présence. On extrait évidemment, on tentera pas la chose. On va décaler tranquillement sa ligne du côté de Taco qui va prendre l'information. Personne ne passe au niveau de ce market. Ça se recroville certainement sur le A. Comment est-ce qu'on va la jouer? On a déposé une prise d'information, la cam hein, évidemment de Sugetsu qui pourra se réveiller pour constater que personne n'a pris l'accès de ce 20 ni même de ce main. Il va regagner évidemment l'espace lobby pour rejoindre ses amis au niveau du main bay. Ouais, il est loin par contre, hein. Il y a encore pas mal de secondes qui vont être perdues ici. La flèche, c'est sympa, c'est Zipan qui se la prend de plein fouet, 48 PV en moins là gratuitement. Et en B, donc les deux initiateurs vont essayer de tenir ici avec des bonnes infos prises ici en sautant. Très bien, on voit ce qui est proposé. Et ça part du coup pour FPX qui sort du main et ferme la porte.
Ouais, la capture qui aurait pu faire très très mal à FPX, les travers qui pleuvent, Takolila, l'expression même d'un talent manifeste sur Ardis là-dessus, la cage qui... Oh, n'empêche pas Tako de marquer une triple élimination. Adverso achève la chose. C'est Sugetsu qui a un genou à terre, 4-0, copie parfaite pour l'équipe Latam pour l'heure. Takolila qui du coup conserve son ultimate, Adverso qui n'est pas loin du sien et FPX, timeout. Bah ouais, c'est... Un round important bien sûr, 4-0, nouveau round armé pour FPX qui va avoir besoin de débloquer le compteur. La réussite de Takolila sur le deuxième shot, c'est quelque chose. Hein. Ici c'est le X-Ray qui lui offre l'open kill et celui-là, il est vraiment crade, bien sûr. Il est pas ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? La pause c'est bien, mais je pense que les ultis commencent à arriver un peu. Celui d'Ardis a été utilisé en écho sans succès comme on a pu le voir, hein. Les kunai n'auront pas eu d'impact. Et voilà, les FPX, ils ont un peu déjà tout testé, ils ont un peu testé le middle, le A, le B. Ils ont pris des grosses retakes déjà. Et c'est clair que c'est pas forcément évident de trouver que faire pour trouver enfin la victoire. C'est dommage parce qu'au début on a l'impression de retrouver Ardis dans une forme olympique qui va chercher le market rapidement sur le pistol, etc. Qui déstabilise complètement le plan de jeu des Léviathans. Et il y a une réussite individuelle de la part de King, puis une autre, et on sent que ça déstabilise évidemment les joueurs de FPX. Faut retrouver un peu le mojo de ce premier round, le mojo de cette première carte d'Icebox, dominée hein, bien sûr par les joueurs de IMEA, de l'IMEA. Ok, alors ça dit quoi les ultis? Ça dit Takolila et ça dit Shao. Oh, ok. Ouais. Shao il a qu'un kill, 4 morts, mais du coup il a dû prendre quelques orbes dans l'équation. Et donc son premier ulti, il doit être investi pour moi maintenant. Faut essayer de faire quelque chose avec. On pourrait essayer d'aller prendre un orbe aussi pour Zipan. Et l'un dans l'autre, on pourrait avoir quelque chose de vraiment tout à fait convaincant. Au final, c'est Ardis qui a une ligne middle. Il n'y a pas de sage avec lui pour se faire booster, donc il attend une agression short avec cette pause. Et je ne les vois pas décaler aussi profondément. Là. Ouais, une routine hein, de choc d'art qui se met en place pour exécuter les trappes de Sugetsu. C'est bien le cas déjà. Les débordements par le B seront cyclés par un nouveau trap qui va être pris par le prowler. Donc là, c'est littéralement... 400 crédits pardon, qui viennent d'être utilisés pour rien. Là, ils savent, ils peuvent se douter en tout cas qu'il n'y a plus de contrôle en effet, qu'il n'y a plus de contrôle map avec les trappes, ce qui pourrait permettre de les bousculer sur les fins de run. Et FPX, bon bah ils travaillent à peine le middle avec une cage, je crois, de Sugetsu, et ils vont le laisser en coupe avec son cypher grâce à sa caméra notamment qu'il a déposé middle pour jouer à 4 en A avec l'orbe de Zipan là, je pense. Hein. Alors on donne cet opérateur à Shao et on va certainement utiliser. Teammate de ce dernier, il va falloir temporiser. Parce que, alors, il n'est pas pris dans le couteau, il est pris dans le couteau, la Recon qui ne trouve personne. Pour l'instant, le BP semble essouffler. Ouais, tous les ultis vont partir. Et sauf qu'il y a 3 défenseurs, bientôt 4. Ça dive du coup pour Ardis, toujours pas d'ulti, on le met seulement maintenant. On n'a pas pris l'orbe, j'ai l'impression. Et c'est Shao qui fait tout de même l'open à longue distance avec l'opérateur. On n'arrivera pas à faire de kill si grâce à un excellent repositionnement des différents joueurs. On passe du plus haut. Du coup, il y a 2 informations, ils sont 3 même. Super. Tout est détriqué, tous les Léviathans s'imposent en délogeant ici ce site et ça joue depuis le main pour le 2v4. Amelsir qui a su profiter de son timing. Shao qui cherche une élimination éventuelle sur la hauteur, mais personne ne déborde pour l'instant. Évidemment, on va cycler cette smoke à l'infini. On repère le plan de jeu des FPX. L'opérateur est identifié. Sugetsu reste évidemment en support, mais il est muet. Il se prend même les balles de King. On va pouvoir désamorcer tranquillement pour Melser, qui est certainement l'homme de ce round avec King. King qui déborde en même moment. Lui, il saisit d'un timing sur la redirection des joueurs au niveau de la. Enfin, après cette Recon au niveau du générateur. Il crosse les boîtes et il arrive dans le bac. Il en fait presque 2 en annihilant. Il me semble qu'il prend Shao, mais qu'il prend pas. Là, on revoit, mais tous les joueurs de FPX sont derrière le générateur. Ouais, tous. Ils ont pris le BP, ils ont pris l'open kill grâce à Shao, mais ils vont tous se mettre dans un mouchoir de poche, dans 2 mètres carrés. Et c'est ce qui fait que sur la reprise, ils se retrouvent dans ce crossfire entre le joueur qui a pris le site défaut et celui qui reprend par la porte. Ils se font découper en tranches. Ils regardent tous au même endroit. Et les deux autres joueurs main se font vite dézonner par des stuff, par des smokes. Ils peuvent pas du tout intervenir, quoi. Alors, on trouvera personne sur les premiers contacts. Pourtant, il y a un joueur, Takolila, qui doit TP back. Il revient sur la hauteur du BPA. Le mythe est laissé tout seul et ne pourra pas y aller davantage. Vous voyez, c'est pas le plan de jeu. Contrôle du côté de Sugetsu. J'imagine qu'on va aller en A. Faut se méfier de cet opérateur, c'est le danger principal du run. Personne pizza et personne en ligne directe market. Le market qui a été fermé d'ailleurs hein, par Léviathan.
ce qui va soulager un tout petit peu la défense du B. Et là, on a vu une épaule dépassée tout de suite quand elle a mis l'ouverture pour King qui anti-rush tout de suite. Oh oui, c'est bien. Fait le deuxième grâce à un pool excellent qui va ramener Angel dans le viseur du KO. La décalance au temps et la loi. One tap de King, il est tout seul et il les domine là dans cette. Incroyable, il le fait, il le fait, il le fait. Meltzer viendra lui subtiliser la dernière vie qu'il manquait pour créer la différence et surtout l'ace. Mais King a été impérial. La redirection de Jungle reste un petit peu douteuse. On le surprend évidemment, Bunny, hein. Les pieds dans la mollo. Ouais, on va le voir. C'est des joueurs qui décalent en marchant, enfin en courant, mais l'un après l'autre. Ils viennent se présenter en 1v1 face à King qui est injouable dans ce match. Il tue. J'adore. 6-0, allez, nouveau round armé pour l'FPX qui change de rythme ici et met beaucoup de pression dès le début du round, mais sont déjà stoppés par les tirs à travers les smokes. Le full. D'un verso à la Odin et pas du contre-stuff, ça repart donc. 31 HP. Oh, il est déjà là. Taco est là, il est déjà Taco, top mid. Taco C'est terrible parce que prendre la vie d'Angel. Tous les FPX marchent pour repartir, sauf Angel qui saute comme un cabri et qui révèle du coup leur direction. Donc Taco Lila, il n'est pas surpris, il s'applique, il est sur place, c'est trop bien fait. Il est en train de call, il n'est pas concentré. Ah ouais. 31 HP qui ont vraiment mis mal Angel là-dessus. Et FPX par la même occasion, 4 contre 5. Encore l'ultimate de Shao, alors peut-être envoyer Zipan sur cet ultimate pour créer de l'espace. Alors, le moins 1 de Shao, il est là. C'est Taco qui vient mettre pied à terre. Genou à terre même, 4 sur le main, prend la formation avec le prowler. Très important sur AV1, le prowler qui ne détecte personne, il va faire le move du coup Shai. Et ça pourrait clouer le rune pour Léviathan. Sauf s'il fait la différence, moins 1 c'est trade. Allez, 3v3, du coup il faut accélérer désormais. On ne se rend pas compte, on met quand même le stuff et on met le vol de Ra. Il va permettre de comprendre où sont les adversaires. On investit du petit fade, le petit ici qui ne touchera pas. Et qui traverse par contre, il a voulu une fois de plus faire le héros, ça ne passera pas. C'est dommage, il aurait pu atteindre ses camarades, surtout sur l'ultimate adverso. Adverso qui voilà, s'empresse dans la molotov et va marquer presque une deuxième élimination. Melzer sait qu'il y a une présence au niveau de ce main et qu'on l'attend en tandem. Il saute, révèle sa position. Il y a un cross entre Shao et celui dessus. C'est très bien fait ici pour FPX. Léviathan qui vient de jeter pour moi leur premier round parce que Taco Lila en tant que chamber n'est pas censé perdre un duel comme ça en sniper contre une Vandale dans le main. Parce que Shai qui compense... c'est risqué ce qu'il fait et son prowler était mauvais et parce que King ne doit jamais cross ici. La division cosmique, c'est la division cosmique de la défense. Donc tu dois rester derrière, tu dois justement punir les adversaires qui vont tenter de traverser. Je comprends pas ce qu'il a tenté, il a dû flasher et cross, sauf que c'est un peu hasardeux. Et du coup c'est la punition instantanée. Plutôt bien joué. En tout cas c'est le premier round évidemment des FPX. Ici, l'espoir d'une remontée peut-être éventuelle. On va repérer un joueur rapidement, c'est Taco Lila, évidemment. L'épine dans le pied des FPX qui est évacué. Ouais, mais bon, ça coûte la caméra qui reviendra dans 40 secondes à peu près. Surtout qu'on a repris un peu d'info B, on va replacer Taco Lila comme à l'origine. Il y a eu un fil de détente qui a été détruit, je crois bien. Donc toujours ce jeu entre les deux sentinelles sur Extremity B, c'est marrant. Et on va casser le trapoc, et c'est pas mal ce que font les FPX ici. Hein. Pression B, pression mid, ils dépensent le drone et ils punissent Shai qui fait un coup d'épaule. Depuis le market, un bel open. Plus de Shai du coup, plus de prise d'information. Pour la défense, Taco qui est obligé de compenser un petit peu, justement pour prendre cette information. À l'isère du main, il ne retrouvera personne. Et retour A, du coup. On n'a entendu personne. Sur Melzer et Adverso, qui n'ont plus grand chose, mais qui ont des étoiles par contre. Deux étoiles très bien placées. La flèche, on attend l'exécution. Dès que ça part, il y a cette flèche qui va permettre de se battre malgré les smokes. Ouais. Et 2v4, il le met avant l'ulti de Caillou en plus, il faut tenir. Ouais, Ardis doit pas se révéler, prise d'information sur le générateur, on en trouve un, peut-être un deuxième ici, Melzer qui enchaîne, King qui rentre dans l'arène, King sur Sugetsu, Angel prendra son duel, et Shao sur un opérateur, c'est bien fait, on encadre complètement la venue du joueur Taco Lila par la hauteur, c'est bien fait, on va pouvoir rester tranquillement Zipan, à l'ultimate on ne trouvera personne, Taco Lila s'effondre face à Ardis et son triple kill. C'est bien fait et pourtant le setup était difficile à braver. Ardis est seul, il y a une attract, plus pour, la recon. Pour moi, c'est adverso, il joue à cache-cache, il devrait pas. Parce que on voit qu'Ardis, il sait qu'il y a un Sova qui est là. Le Sova, il a mis la flèche, c'était pas un repère d'envoyer très loin, c'était en réaction. Donc il sait qu'il y a un Sova quelque part et il l'attend backside. Pour moi, adverso ne doit jamais jouer à cache-cache sous la hauteur, mais il doit vraiment se battre ici, en même temps que King, en même temps que Melzer.
Et du coup, à sa position, bah, il se retrouve vite complètement bloqué, quoi. Dommage. Deuxième point. Pour FPX, on tient cette ligne short. Aucun débordement pour l'instant. On va cycler la smoke. Sur la prise d'information, on débordera et on placera Melzer dans le vent. Ok, ok. Alors, tiens la ligne cette fois-ci, Takuli là. Isekardi s'aime bien décaler à cet endroit, mais ça ne sera pas le cas ici. Et il se fait désoler de toute façon. Hein. Avec un rôdeur. Contre-rôteur dans le B. Toujours ce jeu de dupe entre Sugetsu et ses adversaires sur le site B. Le drone détruit. Il le claque vite, hein, le drone, franchement. Et par contre, Angel. 1 minute 10. Qui montre son profil ici dans le middle. Takuli là, enfin récompensé. Ouais, pas la première fois. Tu parlais justement de cette lecture de jeu sur Angel. Un petit peu esselé middle. Ah oui, il faisait le livreur là. Encore une fois. Il voulait livrer le spike et il livrera sur toute sa vie. C'est un peu dommage parce que du coup, plus de smoke pour finir à part celle d'Ardis. Compliqué. Ça va être délicat. Il faut une belle ouverture là sur Shy. Ouais, on l'a donné pour le renvoyer directement. On entend des joueurs sauter. On sait qu'il n'est pas seul. Ce n'est pas qu'une présence, ce n'est pas qu'un fake. Et l'ultimate de Shao, pardon, l'ultimate de Shy qui viendra couvrir hein, l'arrivée de ces joueurs de FPX qui, même sourd, arrive tout de même à soustraire une vie au compteur. C'est Takuli là qui s'effondre à grands coups d'opérateur et de couteau. On essaiera de faire la différence, mais Ardis s'effondre sur Adverso. Zipan viendra le revenge, ça fonctionne pour Zipan, le doublé du joueur européen. On va pouvoir planter tranquillement et là c'est un tandem particulièrement pernicieux hein, pour King qui va devoir s'infiltrer à même le BP et si ça le fait, c'est Shao qui pourra se présenter à lui pour une première élimination. Ouais, Shao qui commence à avoir peur de son back et il a raison car Melzer arrive petit à petit. Le couteau sera détruit par Sugetsu, donc on invisibilise Shao en effet. Et là par contre, c'est le gun qui dépasse. Aïe aïe aïe, on communique l'information. Melzer qui va le jouer avec King. Melzer ici, la première élimination. King qui peut rentrer du coup au niveau de ses marches. Il est repéré par Zipan. Zipan, la ligne. La ligne ouverte, la ligne claire, la ligne singulière. Avec cet opérateur, le moins 3 déjà. Melzer sait qu'il ne peut rien faire. Terminé. Il n'y a plus rien. Faut jouer les off-kill là. Absolument rien. On va juste pouvoir punir le positionnement peut-être téméraire. Des ces joueurs d'FPX qui vont se présenter à lui, le moins 1 et le moins 2. Ouais, c'est bien, il débloque son ulti avec ça, il empêche la sauvegarde des armes. C'est pas mal, mais FPX a retrouvé leur rythme, hein. Ça y est, ils sont dedans, ils mettent des runes convaincants et ils punissent des petites erreurs de communication. Pour moi, Takuli là, il a pas compris que c'était déjà passé du côté de la commande, c'était déjà sorti du main et que ça pouvait être face à lui. Quand il fait son backup, vraiment, il s'offre à Ardis qui n'attendait que ça. Et là, sur le backside, bah, y a quand même un échec du setup aussi, hein. On a les deux initiateurs qui sont backside et ils ne font qu'un kill dans setup bunker, c'est dommage. Avec Ardis qui arrive opérateur en main sur le dashot alors qu'il a les couteaux, qu'on pourrait penser justement qu'il va aller checker sur le back. Il préfère prendre opérateur pour prendre d'assaut cette zone-là, c'est assez étonnant. Ouais. Et après, c'était trade par ses coéquipiers c'est vrai. Pour moi, le kill est vraiment important, c'est celui sur Takuli là. Quoi. Après, il a un 2, il a 2-1 à négocier, quoi. Genre sur le backside, le collègue d'Ardis. Ouais, mais il y a ses coéquipiers qui sont à sa gauche, ils sont deux à sa gauche, c'est vrai qu'ils sont deux. Tu vois, donc, c'est vrai qu'ils sont deux. Il fait la prise d'espace et puis il compte sur ses mates. En vrai, ça passait. Et là, j'espère que leur coach est en train de dire, les gars, communiquez. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que ça peut passer? Parce que là, le binôme B, il réagit bien, il met une flèche, il met le petit fade, il gagne du temps. Mais il faut dire à Takuli là que ça peut être passé devant lui, que ça peut avoir sa ligne. Car c'est un kill vraiment gratos qui a été offert ici par ce miscom. Bref, FPX en tout cas se ressaisit. Est-ce que le fait d'avoir perdu toutes les armes handicap leur achat? Pas vraiment. Non, ça va. Seul Ardis aura l'armure légère. Bon, routine middle de Tako qui va jouer finalement sur le main A. Du coup, il trappe le market, la pizza. Attract potentiel pour aller chercher une première élimination sur la ligne opérateur de Takuli. Alors. Petit couteau. Angel qui se TP, je sais pas trop pourquoi, pour esquiver le stuff A très probablement. Et Takuli là est en A pour la première fois, on le voit souvent mid, un peu B. Là il change drastiquement sa position avec une grosse ligne cassée. Il pourrait surprendre. Il se passe rien par contre. Hein. Vraiment, j'avoue que l'envie de bailler se faire sentir. Avec du coup le contrôle qui continue d'être appliqué, mais rien ne se passe. Les Léviathans sont passifs. Les FPX sont passifs. Cette caméra, elle est fourbe de fou. C'est au cas où les joueurs s'avancent en déclic mid. Et c'est seulement maintenant, avec une minute avant la fin, qu'on s'active un peu pour FPX qui prend le middle en traversant la cage. En flash, c'est pas mal. J'aime bien.
Ok. Sur une cage évidemment de Cypher, ça a été préparé, on repère trois joueurs. King va devoir le faire, fragmentation envoyée, on essaye d'aller l'aider mais pas besoin. King porte bien son pseudo, le moins 2 pourtant européen, qui va museler hein, l'équipe LATAM là-dessus. C'est du 4 contre 3. On se présente pas tous les 10 pagnes, on négocie très très bien ce nouveau 1v1 adverso. Un genou à terre et on s'infiltre tranquillement sur le BP, on ne jouera pas se rendre pour Melzer et Taco. En B, c'est catastrophe un peu hein, leur défense, parce qu'ils sont 3, ils savent ce qui se passe et pourtant t'as un joueur qui essaie de reculer, c'est King. Un autre, enfin non, c'est pas King, c'est adverso, t'as un autre qui veut se battre, c'est King. Puis t'as un autre joueur dans le main qui sort de la smoke et à aucun moment on est ensemble, on est sur la même idée, la même longueur d'onde, ça va pas du tout là, franchement. On ne joue pas ensemble, il n'y a pas de setup, il n'y a pas trop d'idées. Et comme bien souvent, quand on se fait prendre en étau comme ça, entre le market et le main, il y a un choix qui est assez évident, c'est de tenir une seule des deux zones. Et là, ils font ni l'un ni l'autre, ils restent un peu en plein milieu. Ah, bon. Bon. Ça va chasser un peu les armes ici, mais Melzer se fait respecter. Ouais, et là, tant qu'il est là, il faut surtout, va vraiment falloir résoudre le problème du B d'ici la fin du side. Parce que j'ai l'impression qu'FPX est bien parti pour appuyer dessus, quoi. En même temps, à quoi bon, hein, à quoi bon aller ailleurs quand on voit que ça fonctionne aussi bien? On identifie clairement la routine, il n'y a pas assez cette killjoy pour venir gêner davantage l'entrée des joueurs sur le BP. Donc bon, ça reste relativement simple une fois qu'on a évacué le setup principal. Ouais, Angel qui met la charge. Surtout Zipan, hein. Zipan qui est vraiment dans sa game depuis tout à l'heure, depuis la Xbox, depuis sa raise. C'est clair. Là il, est sur son caillou et ça reste le même tandem, bien sûr. Un taco est repéré instantanément par le drone. Il est contraint de repartir. Alors, on est groupé. Split A désormais. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de B et on veut changer de plan maintenant. Avec les smokes qui disparaissent désormais, qui permettent la prise de la short. Putain, mais taco il a été vu par quoi là? Il y avait le bruit de, du ping de... Une faute du drone faucon, non? Je sais pas alors trop. Alors qu'il n'y a pas de... Bon, j'ai pas trop compris. Pas... Et du coup, non, retour B. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pression short et A pour finalement retourner B. Juste avant le prowler, donc Shai, il a déjà plus rien. Et Shai, il a tout dépensé en 40 secondes. Il utilise deux prowlers. Et heureusement, il récupère sa reveal qui va se faire détruire. Et là, on lui court dessus avec la paranoïa et avec l'ulti de Keio. Il est tout seul, seulement rejoint par King au niveau du spawn. Ok. Alors, on a repéré 4 joueurs, évidemment, on va recommencer hein, à taper le B, ils le savent, ils doivent gérer cette pression. Cette pression, on cross et on vient s'offrir à la ligne de King. King, la deuxième élimination n'aura pas lieu, c'est un doublé pour l'Europe, un doublé pour Zipan. Et Shao qui rentre une nouvelle fois sur le BP, en suivant évidemment le sillage de son camarade. Un sillage sanglant, bien sûr. Une nouvelle élimination pour Shao, doublé pour le joueur initiateur des FPX. Ouais, là, ils communiquent bien, ils savent, on avait entendu ta Takolila... courir bateau et on voit qu'on passe l'info à Shao qui sait exactement où regarder à la fin de la cage pour aller chercher ce duel. FPX joue bien hein. Donc voilà, on a légèrement brouillé la piste et on continue de taper le B encore et toujours. Il y avait la même réaction des Léviathans hein. Cet ulti de la Astra qui est franchement sympathique mais qui ne suffit pas à vraiment tenir les FPX qui jouent bien ensemble et bien groupés. Attention à pas trop s'aligner. Ouais, bon Melzer ouais. C'est bien, hein, c'est spectaculaire, mais c'est des kills inutiles ici. C'est clair. Il s'avance sur son ulti, mais il est peu probable qu'il le débloque pour le dernier round. Et les dégâts économiques ne sont pas intéressants, quoi. Ça peut acheter de toute manière le FPX, notamment grâce à Sugetsu et Zipan qu'on l'avance. Ouais, c'est pas très... Ah, on verra, on montrera pas ça. Je sais pas s'il a eu le temps, Sugetsu, d'exécuter Melzer ou l'inverse. Bref. Ouais, Shai devrait... Shai traverse le mur et ressort, sauf qu'il est vu avant. C'est dommage. Et oui, de fait, ce n'était pas le drone faucon, mais bel et bien la caméra de Cypher. Autant pour moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu sur Ascent. Allez loin l'époque Nats, contrôle interminable sur le main. Ça fait bien longtemps. Autant pour moi. Allez, dernier round du side. FPX pour marquer le score et franchement, ce serait magnifique. Après le début positif qu'ils ont pu avoir. Ah oui, et on a sorti l'artillerie lourde évidemment du côté de Adverso, là Odin. Qui s'exprime sur ce middle, sur ce link. Avec le fade. Et le couteau qui touche deux joueurs, je crois bien au niveau du dépôt. On est déjà en train de dive près du market. Le contact de King qui pourrait traverser derrière. La flash part et King tient avec un magnifique spray transfert. Le bus qui enchaîne sur le trottoir. C'est définitivement le meilleur joueur des Léviathans dans cette rencontre. Il n'ira pas plus loin. Face à Zipan, 2v3. Ah ouais, Adverso 1. Pas le même genre de spectacle, bien sûr. Accroupi à grands coups de Odin. La collecte n'aura pas lieu. C'est Shao qui s'incline.
On raise évidemment le joueur star pour le spectacle. Ouais. Voilà tout, on switch de side. Enfin ça tient. Enfin on tient sur le B grâce à King. King qui est vraiment l'artisan des succès côté FPX. On rappelle qu'on lui doit le pistol, on lui doit le round bonus et on lui doit le dernier round du side. Ça commence à être une dette conséquente que les Léviathans ont envers ici leur joueur flex. Mais bon, ça leur permet au moins de valider cette légère avance. 7 à 5 au changement de côté. Ils ont vraiment craqué sur la fin du side et c'est ce qui fait qu'FPX est vraiment à un pistol au final de revenir. C'est vrai. On est proche du 7-7 de l'égalisation. Il faudrait conserver ce tempo pour les FPX qui, on a l'impression, ont exploité la faiblesse la plus visible de ces joueurs, la TAM, le B, sur lequel on arrivait à passer sans cesse, sans aucune sorte de problème. Maintenant, il faut y aller. Il faut défendre. Et au vu de leur composition, ça peut le faire. On attend beaucoup de Sugetsu notamment. J'ai envie de voir un Cypher briller en défense comme tout le monde, je présume. On va voir ce qu'il va en être. Alors, je vois pas où est-ce qu'il est positionné. La question demeure. Je n'ai pas des yeux d'elfe à ce point. Ouais. FPX, en tout cas, qui sont encore dans le coup. Mais c'est clair que leur adversaire a un peu plus de répondants que par rapport à Icebox. C'est vrai. On s'est remis en confiance. Surtout King. Et évidemment, quand le porte-étendard est devant, ça fonctionne mieux. Exactement, c'est ça. C'est une machine, hein, putain. Il respire encore la confiance, on le voit à l'écran. Et il essaye de mener la charge, de montrer l'exemple pour toute son équipe. Ouais. Qui doit absolument lui emboîter le pas à un moment ou à l'autre. Pour l'instant, c'est Shy qui passe un mauvais quart d'heure chez Léviathan. Avec sa fade, il a beaucoup de mal. On voit qu'il dépensait son stuff rapidement. Il était quasiment toujours à la même position, au contact du main. Il a été très fébrile. Et là, on a besoin de lui en attaque. On a besoin de son support fade. Donc j'espère que même si le skill n'est peut-être pas au rendez-vous, au moins les line-up, les timings, la communication restent au top pour permettre à son équipe d'y croire sur cette map qui est la leur, qui est leur choix, Ascent. Donc tu trouves que Taco a été à la hauteur, toi, du coup? Ouais, il a été bon. Il a fait quelques open. Bon, il y a des moments où il s'est un peu à voir. Une fois, ce qui est grave, c'est quand c'est contre Shao dans le main B en pur 1v1. C'est le seul truc un peu dommage. Ouais. Quelques autres fois où il se fait avoir, mais c'est souvent parce que soit il est complètement read, soit son équipe lui passe pas trop les bonnes informations pour ses retakes. Et en vrai, ouais, ça va. King et Taco sont les deux gars sûrs, là, les deux gars qui sont là pour Léviathan. La question ne se pose pas trop. Et du coup, bon, maintenant en attaque, ils vont pouvoir montrer un peu le triple initiateur. Sans dueliste, on rappelle. Donc, pas d'explosivité, pas de prise d'espace. Mais au moins beaucoup d'informations, beaucoup de contrôle. L'info c'est bien, mais ça ne donne pas des kills non plus. Je suis très curieux de voir s'ils vont réussir à faire fonctionner cette compo. Alors, finalement on aura Sugetsu et Ardis au contrôle du BPA. Cam, vous le voyez, et un trap du coup pour le débordement de la short. On va pas jouer le BP. Ils vont laisser tacler en coupe et faire du split A, c'est ce que ça y ressemble en tout cas. On se moque d'abord le middle, Edge qui tente sa chance, c'est une fake smoke qui ça surprendra complètement le capitaine d'FPX, tout comme moi d'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Donc un bon moyen de trouver un open kill ici. En plus c'est un shérif au sol à aller chercher peut-être, mais on accélère simplement sur le garden. Avec l'arrivée, il est envoyé en hauteur, on a un cypher, on sait exactement où il est, il tient, Sugetsu, tient mais en doublé. Avec un seul chargeur, pareil pour Zipan qui vient prêter main forte à son collègue. C'est quoi ce passage Garden ici hein? C'était bien tenté, mais ils se font coucher au skill. On a repéré Ardis, j'imagine, on l'a entendu. Pas du tout, Ardis, le doublé express au shérif, rapide, efficace comme l'éclair. Ardis conclut ce pistol et on parlait d'égalisation, elle est à portée de main. C'est ça. Et pourtant, ils avaient perdu Angel, mais le problème, c'est que les Viettons, ils font cet open kill mid et ils ne changent pas de plan. Vraiment, il reste sur la même chose et je comprends pas quelle est l'idée d'aller chercher le garden à 3 comme ça sans stuff. Ils avaient mis du stuff, ils avaient mis des reveals, mais c'était pour le BP en fait. Donc là, en allant short, alors, enfin en allant dans le garden, oui, ils ont l'info sur Sugetsu qui avait fait un peu de bruit, mais c'est une inconnue et surtout voilà, c'est que des duels au skill à chaque fois. Et Sugetsu, je crois qu'il fait quand même un petit exploit, je crois. Oui, petit exploit au Frenzy, ce sera pas le premier de la compétition. Bref, évidemment, on entend évidemment retentir. Des pistolets à l'autre bout, hein, à l'autre bout de la map, sur le BPA, le main en tout cas. Voyons, on va attendre tout simplement une opportunité de marquer un kill, un débordement des joueurs de la défense, de FPX. Pour l'instant, personne ne se présente.
Ouais, ça joue l'orbe, je crois, peut-être pour Shy. Pour Adverso, j'ai pas bien suivi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc un plan de jeu simple, efficace, pour essayer de rentabiliser cette économie. Et en B, on a du coup Sugetsu qui vient de se faire détruire sa caméra, je crois. Et logiquement, du coup, pression B. Il appelle à l'aide. Et c'est Shao qui se ramène au niveau du spawn. Donc ils sont bien, ils sont en classique ici pour espérer la 5-0 des Léviathans. Et donc c'est bel et bien le Sova qui se gave d'orbe. Et là, il y a un tandem. Spectre Frenzy pour accueillir les joueurs des Léviathans. On cycle évidemment ces Smoke pour les accueillir tendrement. On attend à la litière de ce BP. On sait qu'on pourra rien faire. On a repéré 3 joueurs. 4 même ont fait la rotation. Il va falloir prendre de la formation du côté d'Angel qui va certainement traverser au niveau de la short et tomber. Oh oui, la responder 10. Il n'en fera qu'un. Attention à cela. On va essayer de contester l'arme. 20 secondes. Ouais, encore un joueur qui se fait avoir ici. 15 secondes. On est market. On perd le point d'appui main, ça va être difficile. Shy a une vandale. Shy a une vandale, on va tout simplement une nouvelle élimination. Heureusement que Sugetsu et Shao arrivent à maintenir la pression et à ramasser cette vandale. Ouais. Qui a peut-être failli faire glisser quand même le rang en faveur des Léviathans. Ouais, ils ont quelques dégâts, mais pas suffisamment pour être satisfait, on va dire. Pas de spike amorcé non plus. Donc je sais pas. Ouais. Léviathans qui arrivent sur un premier round armé. Face à la LFPX qui, comme d'habitude, sont en bonus sans vraiment être en bonus. Bulldog Spectre, 2 Vandales déjà, une fantôme pour le Cypher qu'on voit ici en train de déposer son setup. Il sait ce qu'il fait, bien sûr, Sugetsu. Et du coup, contrôle map, je crois bien, pour les Léviathans. On est en 3-2. 3 côté B attendent un push, 2 côté A attendent un push. Mais les FPX sont sages. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de s'avancer quand même middle, là, ligne par ligne. Ouais. Ok, poke flash de la part de Zipan. Il était vu, donc on cancel. Des bons sauts. Le Sova dit ok, il y a un mec middle, on n'y va pas. On prend les orbes, toujours pour Shy. On veut. Alors, toujours pour Shy, non, parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir Adverso. Mais vu que Shy a fait des kills au round précédent, bah, c'est lui qui est le plus proche de cette ulti. Donc on comprend qu'on joue autour. On a repéré aucun joueur sur les premiers contacts du BPB. On sait que c'était au niveau du market. C'est là que ça a réduit ensemble le prowler. Nouveau prowler envoyé d'ailleurs du côté de la défense finalement. Shao ne prendra pas d'informations. Sa phase middle. Et on va attendre les joueurs hein, des Léviathans à 2 sur la short. Ouais, c'est ça, ils sont 2. Il y a Shao qui peut arriver rapidement. Il y a cette fois Nouet. C'est ça qui est fort avec Omen. C'est qu'un Omen peut smoker quasiment tout le long la même zone à l'infini. Ses smokes reviennent. Voilà, Angel en récupère déjà une. Il va remettre une one way, 15 secondes à attendre, sauf qu'il n'en reste que 30, ils peuvent pas se permettre de respecter ces smokes, il va falloir y aller avec du coup le prowler qui est déjà détruit. Bah ouais, et on foule évidemment en réaction. Oh, ils repartent. Oh, sur un middle, oh, ça désespéré. Va être compliqué. Ils vont ça va être se faire dégommer. Oh, regardez le setup de la NASA, là, il y a Sugetsu qui a mis tous ses fils, littéralement, il va se retrancher bunker, on va les attendre, les repérer, les attraquer, les smokes, et surtout la spectre de Shao, le moins 2 européen. Et Sugetsu, le génie des FPX, qui vient chercher au nez et à la barbe de ses Léviathans un round bonus, ouais. Signé par son fait. Franchement, ça va pas du tout, Léviathan. Ça ne va pas du tout. Adverso qui arrivera à prendre des petits kills ici en fin de round qui ne servent à rien. Ça va pas, il y a un problème de rythme. Hein. On s'endort dans leur side attack. Ils ne prennent pas ils prennent juste le main A en fait. Le main B, pardon, pour aller chercher une orbe. Ils prennent pas le main A. Ils arrivent pas à traverser le middle. Ils arrivent pas à traverser la short. Et genre vraiment une one way, les déstabilisent complètement et ils doivent improviser un rune hardcore. Shy il arrive à arracher une tête, je sais même pas comment, mais de toute façon cette direction elle sentait pas bon depuis le début. C'est vrai. Vraiment ça ne va pas quoi, ça va pas. Il faut mettre un peu plus de rythme là je pense côté Léviathan et puis il va falloir prendre des risques aussi. J'ai l'impression qu'ils veulent trop être dans la maîtrise, dans la sûreté. Sauf que bah c'est pas en jouant dans les dernières secondes des runes qu'on va retrouver cette caractéristique quoi. Clairement, ça se voit sur le push de la short je pense. Le moment où justement on peut suivre le prowler ou essayer de dégager la chose, attendre contre full tout simplement. Et finalement on redirige grassement sur un middle. Et sur le setup de Sugetsu qu'on avait repéré d'ailleurs certainement sur l'autre BP. C'est jeté dans la gueule du loup, bien évidemment. La pause. Léviathan, j'espère que là le coach cible un peu les problèmes pour son équipe. Parce que j'avoue que moi je suis un peu déçu en fait, même si FPX est en train de s'imposer. Et c'est une bonne nouvelle. Je suis un peu déçu du spectacle proposé parce que vraiment Léviathan joue mal, il se tétanise et du coup on retrouve cette caractéristique qu'ils avaient déjà eu contre Loud. Où vraiment, en fait, dès que le doute s'installe, ça devient difficile à
comment dire, à regarder. Bref, ils sont en light buy en plus là, enfin en écho, avec juste cette vandale de King qu'on a passé à King, hein. C'était Adverso qu'il avait, mais bon, Adverso il l'a passé à quelqu'un de compétent. King ici qui est clairement le joueur en forme. Et du coup ça va middle. Qu'est-ce que ça veut dire Adverso du coup? Bah, il a un peu de mal Adverso là, ils sont tous timides en vrai. Hein. À part King et Takolila. Allez, on a compris que c'était déjà contact short et cette fois-ci on y va. Pour King qui va et qui fait l'ouverture, voilà. Quelqu'un de compétent King. Et clairement dans le gardien on a vu beaucoup d'informations, on tente la chose à travers mais ça passe dans le DP. Ah ouais, ultimate carrément de la part de Shai, ça va complètement Pavlin mais assourdi hein. Shao, Shao qui craint la présence d'un joueur sur la hauteur, ce n'est pas le cas, on n'a pas pris tant d'espace que cela. On va gêner un petit peu hein, la reprise. En positionnant deux joueurs sur le backside, on n'a pas évidemment ce stuff de Zipan. Si, on a la fragmentation, est-ce qu'on va jouer au même jeu que Léviathan sur le pistol? La question se pose. Ouais, retake, en effet, on va voir le petit Shao, on casse le mur et c'est parti. Ah oui, oui, allez King, on s'est fait prendre à son propre jeu, ultimate même, tout simplement. Ce cher Shao qui permet de mettre très très bien les FPX là-dessus, Melser est repéré, Melser qui va jouer avec la viande, on va le décaler à deux, attention, on va pas y aller tout seul. Et c'est Sugetsu qui skure un skateboard, s'affranchira d'un nouveau kill, troisième au compteur, 9 à 8, 9 à 7, pardon, la maîtrise des IMEA sur les latames. Mais total. Ouais, total, c'est total. Ça. On est un petit doute sur l'open kill, mais c'est clair que la retake elle est belle, ce fragment toujours le même. Ravi. Qui prend le kill. Sugetsu qui couvre à la perfection Shao. Sugetsu. Et après voilà, les Léviathan ils avaient. C'était un light buy tout de même, ils ont su être dangereux. Et on revoit du coup ouais, tout ça. King se fait avoir alors qu'il était seul à avoir une arme, c'était un peu. Oh là 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 là. Ça compliquait la chose. Ils sont sourds, ils sont complètement sourds les joueurs sur le bébé. Là on voit, il y a un monde où Sugetsu il prend une balle de Singer et il meurt et ça peut enchaîner sur le mec qui diffuse. Mais heureusement, il trouve un headshot en courant qui fait du bien. 9-7. J'avoue, ce qui met Sugetsu, c'est grave quand même. Allez, fragmentation de la part de Zipan. Ça retarde l'arrivée et surtout, on a repéré Angel. Pardon, on a repéré Angel. Il se repositionne bien sûr. Zipan est repéré lui aussi. Faut se barrer là, hein. Faut se barrer les copains, faut pas en faire trop. C'est plutôt bien fait. Ça va, ils arrivent à survivre au premier contact et aller chercher cet ulti d'adverso. Ok, la fureur du chasseur. Qui sera très utile en cas d'exécution. On a toujours du coup la caméra hein, qui trouve des tags encore et toujours. J'ai l'impression que Cypher, mine de rien, pour contrer Chamber, c'est quand même ouais, pas mal. C'est vrai, c'est vrai. T'as un moyen de survivre à son premier contact, ça le forçait un peu à se TP. Oh. Et on l'attend du coup. Oh, dommage. Gis, il est pas patient. Il est pas patient du tout. Oh oui, d'accord, bon, toujours plus. Ouais, il a tout claqué ici. Un peu en panique, peut-être. Un peu. Alors le dash, une fois que c'est investi, bon, il faut l'utiliser, mais les smokes, c'est un peu dommage. Au moins, il aura survécu. Un potentiel pic. Et donc Léviathan, les 45 secondes, attention à pas tomber dans les mêmes travers, on revient short, sauf que short il y a une one way en fait, c'est ça non? Il n'y a pas encore et toujours des one way qui sont mises de la part de Angel, je crois qu'elle vient de disparaître. Ouais, on n'a pas cyclé là, ça zipane de mettre un couteau, de repérer quelque chose, voilà il va le faire. Et il va mute les adversaires, 4 au total, 3 pardon, repérer ultimate sur du coup ce dernier joueur qui tombe sous les coups. Ok, j'allais dire de Shai mais pas du tout, Shao a l'avantage sur ce duel. Ça va pas du tout, l'utile envoyé à l'aveugle, Hardisk qui a l'absence de Takolida qui s'infiltrait dans le mid. C'est un échec ici, le round des Léviathan une fois de plus. Oh oui, Adverso se fait avoir dans la longue et le joueur en contact. Melzer s'offre un 1v4. Allez, bonne chance mon gars, grosse flash dans ses dents, la décale depuis la hauteur, il tient tout de même face à Shao, il tente d'enchaîner sans succès. Bah ouais, l'ulti est aveugle, il touche personne. On a encore une fois un mec qui va faire sa vie dans le jardin pour aucune raison, il meurt, personne ne peut l'accompagner. Tacler la mid, il a attendu, pas d'impact. On n'est pas ensemble, on se trade pas et on est un poil prévisible. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une recon. Voilà, il va tout seul, chat, il est pas suivi. Ah ouais, non, non. Son mate a la flemme, il était derrière, mais son mate a pas suivi. J'ai envie de l'abandonner. Ah, une copine, à toi, Bruno. Fan de Yoru. Une fan de Yoru. J'adore Yoru aussi. Ça fait un point en commun déjà. Et du coup, là, Light Buy, ils ont pas grand chose, ils vont devoir concéder un 11ème point. Quel cadeau. Il y a des Stingers, donc ça va peut-être jouer vite. Allez. Ouais, ça joue vite mid, oui, pourquoi pas. Avec un couteau déjà dans le market qui ne touche personne malheureusement. Tempo rapide. Division cosmique et on va cavaler. Ouais, sur le crawler, on essaie de prendre un premier kill mais ça ne marchera pas. C'est Hardis. Hardis qui prend son élan, couteau en main. Personne n'est au niveau du market, ça retravaille la short et Angel. Oh, Angel il va être coincé. Angel il en repère un, il en fera que dalle. C'est King qui l'exécute avec une Stinger. Il faut repartir. Ok, sur le BP on n'est pas trop mal.
On va vite se rendre compte qu'il est free, on va pouvoir planter, donc c'est pas mal. On va se... la vision cosmique qui fait un peu du 2 en 1 entre le A et le B. Oh, grosse pression, oui, et ça repart. Et Hardis qui a tenté un truc compliqué. On met un ulti KO, ça va gagner du temps. Et dans le middle, la coupe est toujours réceptionnée. FPX sont intraitables là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas la première fois. Tsugetsu est bien au rendez-vous. On tente les travers, bien sûr. Mais ça ne marche pas. Autant jouer au loto. Hardis a encore ses couteaux, hein. Il les a déployés, donc il va certainement jouer au contact quand on arrivera au niveau de la charte. Attention, dans la smoke, il y a quelqu'un. C'est King avec sa Stinger. Évidemment, on gagne du temps grâce à cette fragmentation. Tsugetsu qui se doute, hein, du positionnement de Meltzer ici. Première élimination. Et ça continue du côté de Shy. Et la Stinger, il ne reste plus que Hardis. Hardis, les couteaux peut-être. Non, ils partent dans le vent. Au même titre que ses balles de Shorty, il conservera son opérateur. Mais c'est un maigre putain. Et la vie de Takolida qui est ponctionnée à même la hauteur. C'est un 2v1 qu'on ne jouera pas. Le temps, évidemment, manquait davantage. Ouais. Léa, les Yétans qui font un peu une paper race quoi, dans le style. Vrai. Vraiment, du début à la fin du round, ça cavale, ça court, on se fait confiance. J'ai vraiment aimé la division cosmique de Meltzer qui, à la fois, fait douter en B mais offre une redirection A. C'était vraiment là, le 2 en 1 très intelligent. Et pour le coup, les FPX, ils sautent les deux pieds dedans. En même temps, c'est bien fait, hein, la pression middle, le couteau market. Et globalement, toute la pression qui avait été mise sur l'extrémité, ouais, l'extrémité B, c'était réussi, c'était convaincant. Et c'est pour ça qu'ils se font un peu avoir en faisant une rota trop rapide. Bref, dis donc, un round sauvé pour Léviathan. Qui en met, c'était leur premier, hein, leur premier round. Ça ressemble à Icebox en fait quand j'y repense. Et Hardis fait l'open à travers la smoke, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le mot a été employé très bien. Mais c'est déjà un moins 1 pour l'Europe, donc on s'en satisfera. Alors, Shy middle. Attendu par Zipan en ligne cassée depuis le spawn. On met une petite pression. Alors, c'est un round individuel. Regardez-moi ce radar. Tous les joueurs Léviathan sont en train de faire un move indive. Adverso lui, bon, ça va fake. Ah, le round bien liquide là. Là, c'est un round liquide. C'est un round liquide que son shérif. Sauf que là, Léviathan a des vandales. Et c'est du 1 pour 1 pour 1. Allez, traverse ta smoke là. T'as collé, il était prêt à le faire. Hein. Il était prêt à se donner à son tour. Quel dommage de mettre un round collectif rapide en écho et de proposer ici un round individuel et. Et je sais pas, inintéressant sur un round armé. Terrible. C'est problématique. Quand même très problématique ce qui se passe. C'est un 11e round concédé à FPX, sauf sur un malentendu. On va conserver, bien sûr, je pense, ces deux armes du côté des Léviathans qui s'attendent à une présence au niveau du main B qui n'arrivera pas, tout simplement. Attention tout de même, hein, sur repositionnement d'Hardis là, ça pourrait lui coûter cher. Est-ce qu'il va se présenter à la ligne de son camarade, de son adversaire? Il semblerait que oui. Voilà, Takolila prend du coup cet opérateur au piège. On va contester l'arme et vous voyez Angel se précipite sur la ligne pour essayer de, ouais, de prendre la différence. Et voilà, elle est là, la différence. C'est Takolila qui prend le moins 2. Mais encore une fois, à l'image de ce que Meltzer pouvait produire, c'est un maigre butin à ramener au 20e round. Puisque celui-ci sera certainement en faveur économique des FPX. Encore une fois, c'est dur à voir, quoi. Vraiment, des rounds comme ça où ils ne font rien. Alors, l'open, il est terrible. Franchement, ils perdent King à travers une smoke, sur un timing improbable et tout. Bon, ça fait mal, mais que la perte de King les désorganise autant. Regardez, ici. Genre, c'est... Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Hardis qui aura vraiment réceptionné les différents joueurs. Et vraiment, on n'a rien construit, j'insiste là-dessus. Chacun dans son coin, on fait un petit truc. Alors, il y a quand même l'idée du Sova qui attire l'attention short pour que la Astra prenne un timing long. Enfin, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas dingue. Et là, en plus, on est dans un creux d'ulti à partir de Shy qui va revenir. Terrible, hein. Ils achètent. Heureusement, ils light buy. Ils peuvent acheter next. Ils peuvent acheter tout le temps, en fait, les Viettans. J'ai rien dit. Ouais, bah, on arrive à la fin du match. Donc, il faut. De fait, ouais. Tranquillou. On peut, j'ai dit tranquillou, j'ai envie de crever, mais au-delà de ça... T'inquiète, personne n'a entendu. On va prendre de l'information sur les contacts, personne n'accroche cette smoke qui handicape un petit peu hein, la ligne, bien sûr. Dardis, c'est son opérateur, quand il va fade, il pourra reprendre l'information top mid, attention à ne pas s'y présenter. Ligne qu'on a entendu déjà Meltzer. Dardis, alors, au moindre doute, il se barre, smoke et tout, il laisse pas grand-chose au hasard. Et Léviathan vient déjà de faire partir 45 secondes en fumée ici. Pas de prise de zone à part un peu timidement dans le main B. Pas de pression non plus. Et du coup, bah, FPX, au moins ils tombent pas dans le piège quoi. Ils sont patients à leur tour, ils n'agressent pas. Ils ont bien compris que Léviathan jouait extrêmement lent et dans les dernières secondes. Prise d'information, muette. Ah non, on repérera deux joueurs. Là, sera en forme astrale. Finish B, c'est simple. Quoique non, ça repart sur Shy, c'est ça. C'est ça.
qui a son ulti, qui va le mettre short. Allez Angel, sur une bonne paranoïa, c'est tout ce qu'on attend de toi, le joueur ukrainien ici. Ultimate de Shy, la réaction n'aura pas lieu du côté d'Angel, on ne le persécute pas, on n'ira pas le chercher, on travaille simplement la short, on respecte la smoke, Hardis qui va renforcer cette présence short d'ailleurs avec son opérateur, c'est invisible, ah oui alors une fois, deux fois, faut pas jouer au casino tous les tours non plus. Et on va pouvoir reprendre tranquillement en 5v5. Ouais, alors du coup il y a Takoli là qui est short, qui va avoir un contre-temps, il y a Adverso qui joue dans la longue. C'est les deux éléments un peu difficiles à déloger potentiellement pour l'FPX dans cette attaque 5v5. Et on perd déjà Hardis qui a été reveal dans la hauteur et tué à travers le plafond ou le sol, ça dépend. Tako il a peur de Sugetsu mais Sugetsu il est pas là. Sugetsu il joue opérateur, Sugetsu il transforme, il transmute la méta. Et voilà, on va save tranquillement, bien sûr. Ok, ça passe hein. Ouais, ça passe. 9ème round pris par Léviathan. En vrai, là, pour moi, la clé, c'est que Angel, avant que ça accélère sur lui, il se prend un couteau. Allez, Sugetsu, s'il te plaît, fais un kill à l'opérateur. On sait hein, évidemment qu'il le conserve pour Hardis, mais le spectacle. Ah non, shot opérateur sur un chamber par un cypher. On n'arrivera pas. C'est parfait. Ah, peut-être sur l'Astra. Dommage. Non, dommage. Mais ouais, du coup, ce qui fait la diff pour moi dans ce round, c'est que Angel qui tient la short, juste avant que ça accélère sur lui, il se prend un couteau. Il se prend un couteau de King. Du coup, il peut pas mettre ses one way, il peut pas mettre la paranoïa que tu avais invoquée au moment du cast, tu vois. Et il ne peut que concéder l'espace et se reculer. Dans la hauteur, je crois que c'est Hardis qui lui se fait reveal par le drone de Sova. Du coup, il peut pas se battre. Et c'est ce qui fait que le BP est complètement libre. Et en plus, on arrive à esquiver habilement les balles à travers les smokes pour une fois. Et donc, ça permet un passage et un amorçage assez libre. C'est bien, ça commence à le faire, les Léviathans. Mais peut-être sur des petits détails comme ça. Oh la Recon 2-1-1 qui prendra l'information sur les contacts et la Zipan qui cross. Zipan qui manque de peu en spray contrôle de faire une troisième élimination sur Adverso qui en marque deux lui aussi. C'est un moins 2 de chaque côté. On a pris de l'espace au niveau du BPA, vous le voyez. Mais le Sir, c'est l'éclaireur de cette équipe Latam. Il arrive sur le backside, il peut dire à ses copains tout l'espace nous a été concédé. On va pouvoir fermer la porte et tranquillement avancer le spike. Ça va être l'idée en effet. Avec du coup le passage en A, Hardis qui se replace, il fait du bruit, ça va être entendu ça au bout d'un moment. Ok, on va surprendre Hardis sur sa redirection, je présume. Ah, non, pas tout à fait la smoke, okay. la smoke grille la chose. Alors. Ok. Non, il fait ça. Oh, c'était pas loin, franchement. Oh là 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 là. Et la porte qui est déjà brisée. C'est complexe. C'est bon. Alors, comment reprendre? Qu'est-ce qu'on a comme outil? Pas grand chose, faudra un cadavre pour suivre dessus, à vrai dire, ça serait le top. Il a entendu le joueur qui se replace, il va le chercher du coup. Et oui, trop d'informations données par Adverso ici. Oh là là. Avec ses mouvements, il fait trop de bruit. Pourquoi il joue comme ça? On sait qu'elle Astra sous le BP, on la cherche, on la voit, elle est bloquée du côté du connecteur, enfin, du générateur surtout. Oh, et il se balayé et on saute, on va chercher au contact. Takolila, ça désamorce. Takolila qui est tenu en respect par Shao, c'est très bien fait cette retake. Adverso, il doit arrêter de courir. Stop en fait, stop faire du bruit quoi. C'est clair. On sait qu'il y a un opérateur, c'est d'ailleurs lu quand il me semble Hardis brise la porte, on sait que c'est certainement la jet. Et là on est négligent, bien sûr. Et c'est pourtant tout ce qu'attendait Melser de pouvoir négocier la chose en 2v2. C'est dommage. Alors du coup ils ont le deuxième point avec ça, hein, c'est ça? Ouais. Deuxième point, Léviathan qui peut continuer à acheter. Ils ont... Ouais, les ultis c'est dur, c'est si dur pour Léviathan depuis tout à l'heure. Il y a celui d'Adverso qu'on pourrait tenter. En face, bon c'est des ultis situationnels essentiellement. Aïe aïe aïe. Faut tenir. Il a quoi comme arme Shao? Non ça va, tout va bien. Ah, ils vont faire leur phase middle, ils vont faire la même phase que tout à l'heure en light buy. Avec les fake smoke, avec le rôdeur, avec la pression. Et ils veulent rediriger en A, on sait que c'est ça le plan. Hardis qui conteste, Hardis! Hardis, l'ouverture éclair, une nouvelle fois! Ça ouf, hein. C'est terrible, c'est une tempête, mais pas de lame, bel et bien de balle d'opérateur Hardis hein, sur ces trois derniers rounds. King est passé au spawn, hein. Il est passé au spawn, il est en train de flanquer le garden, du coup il n'y a plus qu'un défenseur en A, c'est téléporté, je crois qu'Angel était entendu. Il se prend une flash, il est vu, on sait qu'il est au niveau du site, il faut juste synchroniser, il va se barrer peut-être le capitaine. Attention, hein. Attention tout de même. Ouais, il est vu, il est complètement vu, il est obligé de se barrer, mais c'est trop tard, regardez comment on va. Très bien fait. Quoi? Ça va, c'était sur le fil. Il se barre pour jouer du coup une retake 4v4. Avec Hardis qui est déjà là avec sa tempête de lame. Ouais, avec les couteaux, on va pouvoir le faire habilement. Il y a tout, hein. Il y a l'ultimate de Sugetsu qui ne demande qu'à trouver le cadavre de Tako Lila. Il est loin le cadavre de Tako, ça va pas être possible. Du coup, il va falloir faire une élimination sur BP si jamais on veut prendre l'information, mais ce sera trop tard bien sûr. On va complètement mute
la présence main qui n'est pas là. Ardis l'envolé, Ardis qui trouve un joueur au niveau de ce générateur qui manquera de peu de l'exécuter. Il retrouve ses 5 couteaux et l'expression peut-être ici d'un nouveau kill. Ce n'est pas le cas, c'est Melser qui le freine à grand coup de clic droit. Les Léviathans sont en tout corps dans la course, 10 à 12. Ouais, c'est vrai qu'on était focus sur Ardis, mais c'est Melser qui a fait le rune depuis sa position. Il était au contact de la porte et malgré la paranoïa, il fait moins 1, moins 2 et il se retournera à temps pour aller choper la Jet qui rate ses kunai. Magnifique clic droit d'ailleurs. C'est bien, ça tient. Le B, l'infiltration de King, hein, c'est King qui fait le move, hein, on a mis beaucoup de pression. Encore une fois. On perd Takolila et il fait ce passage spawn into garden en prenant l'information en plus sur Angel qu'on force à la téléportation. Franchement, c'est fort. Un gros travail de la part de King sur l'ensemble du BO, je pense qu'on peut le dire. Et sur Ascent, c'est encore plus probant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup moins l'idée que sans lui, Léviathan est carrément muselé. On parle de Taco, alors évidemment il a peut-être pas le personnage pour, mais Taco il fait des éliminations clés sur la première partie du side, mais pour ce qui est du reste, il est invisible tout de même. Il y a Shai qui essaie de négocier les choses, de cycler ses ultimates, on en a vu deux sorties hein, sur la phase d'attaque. Ouais, là, il pourra plus en récupérer je pense d'ici la fin de la game. Alors... D'accord, d'accord. Il y a des requêtes. Ils veulent une Neptune fantôme, j'avoue que... Ouais, ce qui est Neptune sont pas mal. Que j'ai cru lire sur une pancarte. Ah, les piou piou piou, les plou plou plou. Ouais, c'est ça. Ah ouais, stylé, j'avoue, j'aime bien. Bref. 12-10. FPX qui light by, d'accord, il concède le 11ème point, a priori, sauf accident. Et ils vont assumer tout sur un dernier rune. Ça, c'est un choix lucide, ce qui est rare pour FPX. En général, ils ont tendance à péter un peu les plombs. Là, c'est pas mal. À voir s'ils peuvent être dangereux toutefois avec ces spectres et autres shérifs. C'est Shao qui a le seul Vandal du round d'ailleurs pour eux. Et les Viettans, bon, on commence à être habitués, mais à part leur phase rapide middle market, c'est toujours très lent. Ouais, c'est toujours relativement lent. On a le plus grand plaisir. Le Prowler qui check tout. Et évidemment, King. En tête de peloton qui ne trouvera personne. La menace sur les BP, c'est évidemment Suketsu, mais vous voyez, c'est un pari A. Pari qui n'est pour l'instant pas pris en compte par les Viettans, malgré le positionnement du Spike. Ouais... Le freeze vient de se terminer, 45 secondes comme d'habitude, on a pris que le main B et ça lâche le contrôle côté Vietnam pour jouer cette extrémité. Alors qu'est-ce qu'on va... Ouais, ça va être Adverso je pense, hein. Adverso et sa fureur du chasseur avec les deux reveals qui vont être envoyés, celle du Sova, celle de la Fade. Et pour le coup ils sont que deux à la réception, Ardis et Angel et sa One Way comme d'hab. On va la cycler à l'infini, est-ce qu'il peut? Il peut pas, tout simplement, 25 secondes. Alors Melser qui va faire croire à une présence au niveau de cette short, bien sûr. Ça va convaincre Angel de repasser là-bas. Et on va laisser Ardis le soin d'accueillir hein, les 5 joueurs qui vont arriver en fanfare. Tout ça fait envoyer, Ardis est complètement mute et il n'arrivera pas à remporter une seule élimination. La TP d'Angel qui pourrait peut-être surprendre ici. Alors peut-être une élimination sur Adverso. Non, on s'y prend à 3 fois, mais c'est Adverso. Hein. Qui a l'ascendance en ce duel, la flash est parfaite, mais les foules eux aussi. Shai une double élimination, le flawless est inscrit par Léviathan qui peut se rapprocher donc d'une prolongation. Belle exécution ici, c'est vrai que Ardis il se retrouve dans la sauce trottoir. Angel qui était avec lui 5 secondes avant, il était parti, il doit reprendre le site avec une TP et il n'avait pas le choix que de mettre un one-tap de toute manière. Et quand les joueurs reprennent, c'est sur une flash de Zipan qui ne touche pas Shai ici et on s'impose à longue distance. Ils sont en train de le faire petit à petit, c'est Léviathan. Ils commencent à mettre des runes et là ils sont à un point d'aller chercher une prolongation contre FPX. Sauf qu'FPX sont armés jusqu'aux dents, notamment avec un opérateur sur Ardis et de l'armure légère, ce qui peut être tragique, notamment face à Adverso pardon, qui joue fantôme. Voilà. Ok. Juste le BP pour Angel. Il sera bien aidé par les trappes de Suketsu. Ardis qui cherche une première élimination. On est moins négligent hein, côté Léviathan. On sait qu'on est aux portes des prolongations. On joue sage, on joue régulier, on joue carré. On cycle les smokes, bien sûr. Quel choix va être fait? Bah, le choix d'attendre encore une dizaine de secondes, déjà. Minimum. Ils ont à peine pris le main, ils ont pas pris l'orbe. Ils essaient de faire un peu de l'autre côté. Oh, ça sent la finish dans les 20 dernières secondes. Quand je vois à quel point ils sont encore dispersés à la minute, que le spike est encore au sol... Ils vont perdre beaucoup de temps avant de se regrouper, qu'importe le site qu'ils choisissent. Mais ils ont ces ultis en effet, l'ulti de King, l'ulti d'Adverso. Et ils vont jouer le Cypher, donc le Cypher il va se faire... on voit qu'il a mis ses trappes en A et il joue en B, en espérant pouvoir avoir de l'impact si jamais c'est le A qui était choisi par le KO. Mais en fait ça va fake, c'est ça? On va fake sur King short.
et sur Adverso longue et on va déclic en B. Bonne chance parce que c'est ballsy. Ok, division cosmique envoyée et malheureusement l'un des plus gros atouts dans la manche de FPX, l'ultimate de Shao qui sera dépensé inutilement. L'ouverture, c'est Zipan sur King et c'est parfait, parfait. C'est le chef de file de ces joueurs Latam, il fallait absolument l'exécuter. Ce Getsuki arrive à contact de ce mur et qui va pouvoir prendre une première élimination. Il sera couché par Melzer cependant, 14 secondes au compteur, Adverso qui viendra punir le positionnement délétère de Angel là-dessus. Le spike est planté, on traverse mais comme un zinzin du côté d'Ardis, mais que fait-il? Shao a tout le soin de la réception de ce joueur encore vivant, c'est Melzer qui malheureusement pour lui s'incline. 1v2, Adverso a tout, oh mon dieu, ça ne passe pas. C'était à si peu de choses être fait du côté de l'adverso et au final bien sûr c'est à Zipan. Ouais, un route magnifique ici, hein. Bien tenté de la part des Léviathans, mais Sugetsu qui n'est pas naïf, il revient sur ses pas, fait du trade kill. Si on reprend comme des zinzins, comme des fous de nos escaliers, c'est parce qu'on sait qu'il y a Adverso qui est hors de position et qui a tué Angel au niveau de la short, donc on sait qu'on est en 3v2 sur le site. Ah, ça reprend à fond, on arrive à flasher notamment le joueur backside et à l'éliminer, et après c'est du trade kill jusqu'au bout avec la victoire au final pour l'FPX 2-0. On part du coup en pause 1 à 2 minutes avant de revenir pour vous débrief ce match sur le canapé. À tout de suite.